Attention! Il y a des guettes dans la tour! Ah, oh, zut. Protégez le cœur de la colonie! Ah non, mais ils sont vraiment proches, hein, là. On s'en occupe. À couvert! Ah, j'ai raté! Ah non, j'ai pas raté. Ça va. Allez, vole, toi! Bon, on parlera après. Pour le moment, on va devoir protéger ces gens. Arrêtez de me tirer dessus. C'est bon, ils sont morts. Mais il y en a d'autres. À l'intérieur, va falloir s'en occuper. Oh non, il est mort. Allez, hop, on met ça. Voilà, ça c'est fait. C'est bon, Garrus, tu l'as eu? Parfait. Continuons notre avancée. Alors, il y a plusieurs passages. Je sais pas trop où il faut aller. Ouais, ça a l'air d'être le bon chemin, donc on va aller par là. Il y a un drôle de bruit ici. Mon arme se refroidit. C'est plus je recharge, hein, parce que ici... Ah, je suis coincé. On sort. Ouf, j'ai pris cher. Vite, cache-toi. J'ai pardon, merci. Ah, ils sont là. J'ai le bon angle. Par contre, ils sont coriaces, hein, la vache. Ah, mais ils envoient des renforts. Des salopards. On va mettre ça. Et ils mettent des boucliers, en plus, c'est dégueulasse. Voilà, ça c'est fait. Non, c'est bon, on les a tous eus, là. Ah ouais, ils envoient des renforts, là. Vraiment, ils sont vraiment mal barrés, ces colons, hein. Nous devrions peut-être mettre Faidan au courant de la situation avant de nous rendre à la base des guettes. C'est notre seul contact un tant soit peu officiel. Ouais, je suis d'accord, Garrus. On va y aller. On range nos armes, il n'y a plus de danger, c'est bon. Faidan ? La tour est sécurisée, grâce à vous, commandant. Aucun problème. Ne me remerciez pas. L'essentiel, c'est que votre colonie soit hors de danger. Voilà. Merci de votre soutien et de votre aide contre les guettes. On les a ralentis, mais il en viendra d'autres. Il en vient toujours d'autres. Aidez-moi à découvrir ce que cherchent les guettes et je vous ferai sortir d'ici vivant. Personne ne sait ce qu'ils veulent. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont attaqué la colonie. D'accord. Leur base se trouve dans le complexe Exogénie. Vous y trouverez peut-être des réponses à vos questions. C'est quoi ça, Exogénie ? Nos patrons. Ce sont eux qui financent la colonie. Presque tout le monde ici travaille pour eux. D'accord. L'autoroute mène directement au complexe Exogénie. Vous ne pouvez pas le rater. D'accord, c'est tout droit. Non, c'est surtout l'armée de guettes entre ici et là-bas qui va vous poser problème. Non, mais on est des professionnels, t'inquiète. Je ne m'attendais pas à une partie de plaisir. Très bien. Ensuite, nous reprendrons les réparations. Par contre, je vais poser quand même quelques questions avant. Est-ce que vous savez comment les guettes ont organisé leur défense ? Non, pas vraiment. Mais je suis à peu près sûr qu'ils sont bien mieux protégés qu'au poste de commandement. Je sais qu'au moins un vaisseau guette s'est posé près d'Exogénie, et j'ai vu des marcheurs sur l'autoroute. Le combat risque d'être rude. Je vois. Les réparations ? Qu'est-ce qu'il vous faut pour remettre votre colonie en état de marche ? Être débarrassé des guettes. Arcelia a raison. Il reste des guettes dans les tunnels. Sans compter les problèmes plus terre-à-terre, comme la pénurie d'eau, de nourriture et d'électricité. Je ne sais pas trop où nous en sommes à ce sujet. Les responsables de l'approvisionnement seront mieux placés pour vous répondre. Très bien. Je reviendrai quand j'en saurai davantage. Bonne chance, commandant. Non, mais on va s'en occuper. Ouais, il va falloir parler un peu à tout le monde, hein, pour voir si... s'ils ont des problèmes et tout ça qu'on peut résoudre. Excusez ma femme, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Kalanta a besoin de repos pour accepter ce qui vient de nous arriver. Votre femme est malade. Est-ce qu'on peut l'aider ? Qu'est-ce qui est arrivé à votre femme ? Ces attaques répétées portent sur les nerfs de tout le monde. Elle s'y habituera, comme nous tous. Je peux aider ? Je peux peut-être faire quelque chose pour elle.
Non, elle a juste besoin de temps pour accepter. Ça ira. D'accord. Je dois y aller. Je vous en prie, mettez un terme à ces attaques. Ne t'inquiète pas, ça va... On s'en occupe, on est sur le coup. Pas de problème. Et vous ? C'est vous qui avez repoussé le dernier assaut des guettes. Ils reviendront, mais nous serons sans doute tous morts de faim avant. Morts de faim ? Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Oui, il faudrait ajouter de la viande de varenne à nos rations. Mais ils sont trop dangereux. Surtout à cause du mâle alpha, un énorme varenne qui attaque tout ce qui bouge. À mon avis, il a la rage. En tout cas, il est incontrôlable. Je ne pourrai rien faire tant qu'il ne sera pas mort. D'accord, on s'en occupe. Au revoir, commandant. Ça marche, on va s'en occuper maintenant avant de partir à la base des guettes, ce sera mieux. Madame, vous, il me semblait que vous... Non, c'est elle qui s'occupe de l'eau, mais d'abord on va s'occuper de cette madame. Beau boulot, dites donc. Pas fâché que vous vous soyez pointé. Par contre, sans accu, on n'est pas tiré d'affaire. D'accord. Si je trouve quelque chose, je vous le ferai savoir. Merci, commandant. C'est sympa. Et vous, c'est l'eau, hein. Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de parler. J'ai une pénurie d'eau sur les bras. Ouais, c'est ça. Ça peut peut-être faire quelque chose. Le local technique a été le premier bâtiment à tomber sous contrôle guette. Trouvez les conduites et rouvrez l'arrivée d'eau. En attendant, la colonie est à sec. Faites-le vous-même. Non, c'est bon. Bonne chance. On va faire ça. C'est tout, hein. Et elle ? Je ne suis pas une tireuse d'élite, mais je vais faire de mon mieux. C'est déjà très généreux de ta part, hein, j'ai envie de dire, hein, merci. Alors... Et elle a pas besoin de nous ? On va sauvegarder, attends. C'est vous le commandant du vaisseau qui vient d'arriver ? Question personnelle. Qu'est-ce que vous faites ici ? Moi, je surveille juste le vaisseau pour qu'il ne lui arrive rien. Il ne peut plus voler, mais ça nous fait un abri quand les guettes attaquent. Vous avez l'air de surveiller quelque chose. Non. Enfin si, juste un diagnostic du vaisseau. Il faut que je me remette, d'ailleurs. Faidan m'a demandé un rapport sur... Bon, je dois y aller. Tout va bien ? Dites-moi un peu plus et je pourrais peut-être vous aider. Non, merci. Vraiment. Je n'ai pas besoin d'aide. Après, c'est normal qu'ils soient tous sur les nerfs avec les attaques des guettes et tout ça, hein. Franchement... Attendez, vous faites attaquer comme ça alors que vous n'êtes même pas capable de vous défendre, que vous n'avez jamais tenu une arme de votre vie. Tout le monde serait sur les nerfs, hein, j'ai envie de dire. Bon. Alors, allons-y. On va aller... Enfin, avant d'aller à la base des guettes, on va réparer un peu la colonie, les aider. On va garder notre arme à portée de main, on sait jamais. Ah. Oh mon Dieu, ils sont partout. Aïe, aïe, aïe. Oula. Au secours, mon arme ne fonctionne plus. Vous pourriez faire quelque chose en attendant. Voilà, merci. Voilà, lui il est mort. Ça sera déjà une chose faite. Il y a une femme qui est morte dans l'affaire. La pauvre, on n'a rien su faire. Pas par là, mais par là peut-être. Alors, on peut aller par... Par contre, on peut aller par là. On descend ici. Oula, vite, cache-toi. Un point. Voilà, merci. On va se mettre ça. Ah, une valve. Parfait. Cette valve semble faire partie d'un ensemble. Il doit y en avoir d'autres activées. Alors, nous on est ici. Il y a un transmetteur guette juste là. On peut continuer tout droit. Ouais, on va continuer tout droit et on reviendra ici après. Bon, non, on va se rapprocher un peu. Hop, et on va faire. Voilà. C'est bon, ils sont morts ? On se cache ici. On se rapproche. On se cache ici. Voilà, un de moins. J'ai loupé une ça. Une de plus. Ça n'a pas l'air d'avoir suffi. Il va falloir continuer les recherches. Ouais, je l'avais loupé. On continue. Il y a un mec là, mais... On va voir. Je vais juste m'approcher un peu pour fouiller un peu tout ça. Alors, on va fermer ça. On va
On va sauvegarder, on va aller voir le mec. Bonjour. Un bon conseil, n'allez pas par là. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Rien de bien. C'est tout ce que je peux dire. Ah! Oh, il m'a fait peur. Ah, je l'ai senti passer, celle-là. Bien essayé. Vous allez bien? Qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Le maître fouette l'esclave, c'est tout. Quoi? Ça me rappelle que je suis toujours en vie. Vous êtes là pour les guettes, c'est ça? Vous n'êtes pas le seul à vous y intéresser. Mais expliquez-vous. Qui d'autre s'intéresse aux guettes? Ils ne s'y intéressent pas. Ils veulent les détruire. Ils? Ils mais sont qui une épine dans le flanc il... Ils essayent d'atteindre le... Ah! Laissons-le. Il n'a plus toute sa tête. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il parle de quelqu'un, mais on dirait que... Il peut pas dire le nom de cette personne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez de l'aide? De l'aide? Non. Non. Personne ne peut rien pour moi. Mais je préfère mourir en luttant jusqu'au bout. En luttant? En luttant contre quoi? Vous ne pouvez pas comprendre. J'ai l'impression d'être tombé dans un buisson de ronces. Plus je me débats... Ah! Trop tard. Voilà de la compagnie. Demandez à Faidan. Parlez-lui et... Ah! Attention! De quoi? Où ça? Où ça? Ah! Derrière nous! Tiens, tombe. Non! Pas question! Je refuse! Mais il est complètement fou, ce mec! Qu'est-ce qui leur arrive? C'est les guettes qui leur font ça? À moins que j'ai loupé une valve, c'est possible. Attendez. On va descendre ici. Est-ce qu'il n'y en a pas une? Faut suivre les tuyaux, à mon avis. Celui-là, je l'ai fait. Ça, il n'y a pas de problème. On va revenir ici. Peut-être qu'il y a la valve. Hein. Ah, on prend nos armes. Il y a du monde. Ça c'est fait. Je n'ai pas là, mais. Non. Mais c'est des Krogan. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Oula, toi tu dégages. Oh! Eh oh, on se calme! Oh! Eh, mais c'est des malades de foncer comme ça! Au secours! Non mais. Garus, tu suis de moi, je t'avais soigné! Oh, mais non! Oh là là, je l'avais soigné. Je suis dégoûtée. Bon, ben on va le re-soigner. Non mais, c'est bon quoi. Oh, on se calme. Non mais, les Krogan, c'est des malades. Hein. C'est, on dirait des kamikazes. Ils te foncent dessus pour donner des coups de boule. C'est... Oh, quel enfer. Ah. On doit casser ça. Oh, on doit casser ça. C'est bon, il est cassé. Ouais, il est cassé. Alors, on continue, on sauvegarde, gentiment. Oula. Ah, on a trouvé les espèces de créatures pour que les colons mangent. Allez hop, vol. On se calme les chiens, là. Il est où le gros? Ah, le voilà. Le Varenne s'affale au sol, criblé de balles. Aucun doute, c'était le mâle alpha, le chef de meute de ces charognards sauvages. Ici, il n'y a rien. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de valve, ni de tuyau. Tu viens, Garus? Ouh, il y a du monde. J'ai intérêt... Vous avez intérêt à ce que... Oh, punaise! Mais c'est bon, quoi. Arrêtez de me balancer des trucs. Allez, dégage. Et toi aussi. On va fouiller un peu. J'ai dû en manquer une. Ah ben c'est celle-là. Je l'avais pas vue. Et voilà. Le système est opérationnel. Donc ça c'est fait. Cumulateur vous a chargé de trouver un... Dans les ruines de Zusrop.
Ok, la viande c'est fait. Si vous avez nettoyé les restes des guettes dans les tunnels. Alors, lui voulait de la viande pour les colons. Très bien. Rebonjour, commandant. J'ai tué le gros Varenne. Je vous laisse vous charger des autres. Formidable. J'organiserai une battue dès que les guettes ne constitueront plus une menace immédiate. Au revoir. Je dois y aller. Tenez, prenez ceci. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout mais ce que non. J'ai. Mais non. Mais non, ne me donne pas de l'argent. Je voulais juste aider, moi. Je crois que c'est elle pour l'eau. L'eau a été rétablie. C'est grâce à vous, j'imagine. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper des guettes et à reprendre le développement de notre colonie. Tenez, quelques crédits pour vous dédommager. Mais j'en voulais Merci, pas commandant. Mais non, mais on s'en fout, me donne pas de l'argent, je veux juste t'aider, moi, c'est tout. D'ailleurs, j'en suis où, dans... J'ai un peu entamé le truc, mais ce sera pas assez, je crois. Faidan ? Commandant, que puis-je faire pour vous ? J'ai détruit le transmetteur, pardon. J'ai détruit un transmetteur guette dans les tunnels. Un problème de régler. Merci, commandant. Nous avons une dette envers vous. Vous m'avez soulagé d'un grand poids. Si seulement je pouvais en dire autant de tous nos problèmes. Au revoir. Je reviendrai quand j'en saurai davantage. Bonne chance, commandant. Alors, le truc, c'est que je ne sais pas trop où se trouvent les accumulateurs, en fait. A few moments later. En fait, les couloirs se ressemblent tellement que j'ai du mal, hein, des fois. Peut-être là où il y avait le Varenne. Hein. C'est possible, j'ai peut-être pas regardé assez bien. On va aller voir. Il me semble que c'était près du Varenne, mais je peux me tromper. Il y avait des carcasses de véhicules, peut-être que ça pourrait aider. Normalement, il y aura peut-être quelque chose à prendre ici, hein. Ben voilà, c'était là. Une chance que les accumulateurs de ce vieux véhicule fonctionnent encore. Voilà, maintenant ils vont avoir de l'électricité, c'est parfait. Retournons voir la dame qui s'occupe de ça et on verra pour la suite. Voilà madame, je suis désolée, je l'avais pas vue en tuant les Varennes. Beau boulot, voilà. Dites donc. Pas fâché que vous vous soyez pointé ? Par contre, sans accu, on n'est pas tiré d'affaire. J'ai trouvé ces accumulateurs dans les tunnels. Ça vous intéresse ? Je pensais bien qu'on finirait par les trouver. Tenez, Faidan m'a filé quelques fonds. C'est à vous. Mais non, mais bon. Garde-les. Maintenant, j'ai plus qu'à me démerder pour brancher ces accus et la colonie aura de l'énergie. Mais non, mais arrêtez de me... Vous n'avez rien ! Gardez, gardez vos ressources, quoi, je veux dire... Oh là là, ils me donnent ce qu'ils ont. Ils sont vraiment trop généreux, hein. Je veux dire, ils ont rien. Il ferait mieux de les garder pour eux, quoi. Par contre, je vais vérifier un truc. J'ai réussi à dépasser les 75%. Je crois que j'aurai mon... Ah, finalement, c'est possible hein, d'avoir les... Le max de points au charme, hein. Oh, c'est cool. Franchement, je suis contente. Je pensais pas que j'allais réussir, mais... ok. Bon, là, on en a terminé avec les quêtes secondaires pour ces gens. Ce qui est bien. On va pouvoir aller à la base des guettes. Et... leur débarrasser de ce gros vaisseau, quoi. Qui a atterri là-bas. Ouh, ça a fait un drôle de boucan. On y va. On entend des tirs. Attention ! Oula. Attention ! Les éclaireurs, ils vont plus tarder maintenant. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. En route vers la base des guettes. J'arrive à peine à croire ce que je viens de dire.